Atmosphère, atmosphère. Mais c'est quoi au juste l'atmosphère ? Tu vas voir, c'est très simple. L'atmosphère, c'est la couche de gaz qui entoure notre planète. Enfin, quand on parle de couche, on devrait plutôt dire pellicule, car elle n'est pas bien grosse, l'atmosphère. Non, encore plus petit. Allez, encore un peu. Pour se faire une bonne idée, si la Terre était une pêche, eh bien l'atmosphère aurait l'épaisseur de sa peau. Ah ouais, quand même. Ah, c'est pas bien épais, l'atmosphère, hein. Non. Et en plus, elle est composée de plusieurs couches, un peu comme un oignon. La partie la plus basse, dans laquelle nous vivons, s'appelle la troposphère. C'est dans cette couche que se forment les nuages, que tombe la pluie, que soufflent les vents, que gronde le tonnerre ou que s'abat la foudre. C'est aussi dans cette couche que volent les avions. La troposphère a fait en moyenne 12 km d'épaisseur, un peu plus à l'équateur, un peu moins au pôle. Et plus on monte en altitude, plus il fait froid. Attends un peu là. Pourtant, on se rapproche du soleil. Il devrait faire plus chaud, non ? Eh bien non. Car plus on monte en altitude, plus l'air chaud se détend. Et l'énergie nécessaire à cette détente fait baisser sa température en moyenne de 6 à 10 degrés tous les kilomètres, et ce jusqu'à la tropopause. Ici, la température est d'environ moins 56 degrés. À partir de là, à cause du rayonnement solaire qui est absorbé par les gaz présents, la température se met à augmenter jusqu'à 50 km d'altitude. On est dans la stratosphère. C'est ici que l'on trouve la fameuse couche d'ozone qui nous protège des rayons ultraviolets. Et il n'est pas rare d'y croiser des ballons-sondes, voire plus rarement quelques parachutistes comme Félix Baumgartner, qui en 2012 a sauté à plus de 36 km d'altitude et record battu en 2014 par Alan Eustace avec un saut à plus de 41 km. Ensuite, c'est la mésosphère, où la température chute à nouveau jusqu'à une altitude de 80 km. C'est dans cette zone que les météores se consument pour produire de magnifiques étoiles filantes. Enfin, après 80 km, la température augmente à nouveau, on entre alors dans la thermosphère, là où se produisent les aurores polaires. Waouh, comme c'est beau! Mais dis-moi, j'ai une question, elle est où la limite de l'atmosphère? Ah, là c'est plus compliqué. Tout dépend du critère que l'on choisit. Par exemple, si on s'intéresse à la masse de l'atmosphère, eh bien 99% de cette masse est comprise en dessous de 31 km. 31 km pourrait donc être une limite. On peut aussi prendre la limite de la thermosphère, en moyenne 600 km. À partir de là, les molécules d'hydrogène et d'hélium ne sont plus retenues par l'attraction terrestre et s'en échappent. On entre alors dans l'exosphère, qui s'étend au-delà de 10 000 km. Mais on peut aussi prendre comme limite la ligne de Kármán. Kármán ? Rappelle-moi, il a joué dans quelle équipe, lui, déjà ? Rien à voir, la petite voix. Kármán, c'est un ingénieur hongro-américain qui a défini une limite à partir de laquelle l'air n'est plus assez dense pour faire voler les avions. Ces derniers devraient aller tellement vite pour créer de la portance qu'ils atteindraient une vitesse orbitale. Ils ne se comporteraient plus comme des avions, mais comme des satellites. Pour la Fédération internationale d'aéronautique, la ligne de Kármán marque la délimitation entre atmosphère et espace. En dessous, on a des avions et au-dessus, des satellites. Comme par exemple, la Station spatiale internationale qui gravite à plus de 300 km d'altitude.